Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de novembre 2021. Mes chers scorpions, comment allez-vous? Oui, je sais, vous faites partie des dernières personnes pour qui je filme, mais comme j'ai dit, j'attends d'être dans les meilleures conditions pour vous délivrer les messages les plus clairs possibles. Si je ne peux pas le faire à la chaîne, et j'aime pas cette notion de à la chaîne, d'accord? Je stoppe, d'accord? Donc oui, effectivement, les cancers ont eu en début de journée leur guidance. J'ai dû m'absenter. Donc j'attends d'être tranquille et connectée, reposée pour pouvoir vous délivrer vos messages. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Moi, je vous envoie de très, très, très belles énergies. D'accord? Et j'espère que tout se passe pour le mieux en ce qui vous concerne. Alors, mes chers scorpions, merci pour tous vos messages, hein. Pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis un moment déjà, merci infiniment. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben, soyez la bienvenue. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, des scorpions. J'ai pas beaucoup de scorpions au téléphone, par contre. J'ai beaucoup d'autres scorpions dont j'entends parler au téléphone. Alors, les bourreaux des cœurs, je plaisante. Allez. Donc, c'est un taroscope général, hein. On ne va pas parler que du sentimental. Pardon, je ne sais même pas de quoi on va parler puisque ma façon de fonctionner, vous la connaissez maintenant. En tout cas, pour ceux qui sont déjà là. Pour ceux qui arrivent, je laisse venir les messages. Donc, il y a des signes où on parle beaucoup de professionnels et d'autres où on ne parle que de sentimental. C'est pas moi qui choisis, c'est comme ça. Ça veut dire que parmi vous, hein, si on ne me parle que du sentimental ou du professionnel dans ce tirage, c'est que parmi vous, la majorité tire dans un sens et pas dans l'autre, hein, tout simplement. Je travaille comme ça. C'est différentes consultations privées. D'accord? Donc, c'est pas, non, je commence comme ça en consultation privée, je vous l'explique très bien. Je laisse parler les guides. Ensuite, on dirige en fonction des questions que vous avez à poser. Et d'ailleurs, si vous souhaitez approfondir le tirage, parce que je ne peux pas aller trop dans les détails là, je n'ai pas le temps forcément, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Allez, c'est parti. Si vous êtes scorpion signe solaire, scorpion signe lunaire, ascendant scorpion, si vous avez un placement en scorpion en Vénus, très important, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Je répète, comme je l'ai dit pour les autres signes, le thème astral est très important. Il ne s'agit pas juste de votre signe ou de votre ascendant. Donc, si vous regardez pour quelqu'un d'autre et que il est nécessaire d'avoir bien étudié cette personne pour voir si effectivement elle fonctionne davantage sur, je ne sais pas moi, son Vénus, par exemple, si vous regardez pour le sentimental, vous avez des personnes qui, sur le Vénus, sur le Vénus, ben, fonctionnent vraiment sur leur signe en Vénus et pas sur leur ascendant ni sur leur lunaire. Alors, vous retrouvez un petit peu, mais il y a toujours, on jongle entre, ça peut être quelqu'un qui jongle entre son, sur le sentimental, sur son Vénus et sur son solaire, ou sur son Vénus et sur son ascendant, avec une grosse part du Vénus quand même. C'est pas systématique, mais ça dépend des personnes. Donc, si vous n'avez pas le signe ou juste le signe solaire, prenez encore une fois, les messages, prenez de la hauteur par rapport au message, d'accord? Ne vous dites pas oui, mais c'est carrément ça. Alors, ça peut être carrément ça pour certaines personnes, hein. Il m'arrive d'avoir des messages vraiment spécifiques qui vont toucher une personne. En général, là, ces personnes m'appellent. Je les ai au téléphone parce que ce message était pour ces personnes-là. Et c'est en général le lendemain, le surlendemain, je parle à la personne au téléphone. C'est comme ça. Pour les autres, si ça parle à moitié ou les trois quarts ou voire à un cinquième, stop. Prenons de la hauteur. D'accord? Allez, c'est parti. Scorpion, uniquement Scorpion pour ce mois de novembre 2021, s'il vous plaît. Merci.
Ok, il y a une situation, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une situation pour certains d'entre vous qui est intenable, d'accord? On sort d'un engagement, cet engagement il peut être professionnel, il peut être aussi d'ordre personnel, hein, relationnel. Moi, ce que je vois, c'est qu'on change de structure. On change de structure parce que les choses ne conviennent plus ici. Sur le mois de novembre, attendez-vous à ce qu'il y ait du grabuge. Après, moi, je vois pas de... Il n'y a pas de surprise. Il peut y avoir des coups de... Un coup... comment dire? Un coup de sang, entre guillemets. Beaucoup de conflits. Mais ce que je ressens surtout, c'est que de toute façon, il y avait des conflits sous-jacents déjà. Donc, on voit que quelqu'un s'en va. Peut-être que vous en allez, vous quittez votre emploi, vous changez de structure. Quelqu'un peut quitter aussi une relation. C'est fort probable sur le mois de novembre. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi à qui vous pensez. Alors, dites-moi en plus, s'il vous plaît, les guides. Il y a une situation aujourd'hui, il y a beaucoup de blocages, c'est pas ce qu'on espérait. Et finalement, on se retrouve. J'ai l'image de personnes qui sont encerclées, en fait, qui essaient de trouver une solution. Ok, je vais à droite et puis je vais essayer de trouver une solution de ce côté. Non, on me bloque. Je vais de l'autre côté. Non, je suis bloquée, en fait. Je suis pas, j'ai l'impression que quelqu'un ici n'est pas libre de ses mouvements. Il y a des personnes qui peuvent se sentir observées, dirigées, à outrance aussi. Et on essaie de trouver une solution et finalement, on rencontre beaucoup d'opposition. Et là, on n'arrive pas à trouver solution. Pour moi, on s'en va, tout simplement. Il y a une décision qui est prise là sur le mois de novembre de partir. Alors, je vois beaucoup le professionnel, hein. Effectivement, j'ai la mort de quelque chose. La mort de quelque chose, c'est la fin, mais aussi c'est la renaissance, hein. On se donne l'opportunité aussi de renaître, de pouvoir créer, de renaître ailleurs et de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, si jamais, ouais, voilà. Bon, ben voilà, hein. OK? Et pour moi, j'ai cette notion aussi, j'ai la naissance ici, hein. On me montre aussi quelqu'un qui n'a pas pu être totalement lui-même ou elle-même. Soit vous êtes dans une relation ici, vous ne pouvez pas être totalement vous-même, ok? Soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez, ou au travail, hein, vous jouez un rôle, ok? Et on me dit que ça fait longtemps que vous auriez dû bouger de cet endroit parce que j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui s'en va ici et que vous n'avez rien fait parce que vous ne vouliez pas changer les choses, vous ne vouliez pas bousculer l'ordre, bousculer votre vie. Vous préfériez garder les choses intactes ou telles quelles parce que bon, bah, c'est confortable, on connaît, on ne sait pas vers quoi on va. Mais de toute façon, pour moi, il y a renaissance, il y a transformation et donc il y a mort. Et clairement, il y a la mort et la naissance ici. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, j'ai l'âme qui saute de mes mains. Vous allez là, vous êtes censé être. Ok, votre âme poursuit son chemin. Vous continuez votre route sur votre véritable mission de vie ici. Tout est à sa place, il n'y a pas de hasard. Si ça casse ici, ça pète, j'ai envie de dire, ça casse là où vous êtes, que ce soit professionnel ou relationnel, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Pendant longtemps, pour moi, vous n'étiez pas à votre place et on attendait de vous. Hein. Quand je dis on, je parle de la source, l'univers. D'accord? On attendait de vous que vous preniez votre envol ici. Et c'est maintenant que vous allez le faire. Et il faut en prendre conscience de ça pour ne pas non plus aller vous enfermer dans d'autres schémas ou d'autres endroits ou d'autres lieux d'exercice professionnel ou de vous enfermer dans d'autres relations qui ne vous conviennent pas. D'accord? C'est un temps aussi pour apprendre à se connaître davantage, à savoir ce qui nous convient ou pas, au-delà de ce qui pourrait faire bien ou ce qui pourrait plaire à la famille, ce qui pourrait peut-être vous donner telle et telle image dans la société ou quoi que ce soit. Alors, il y a une séparation, clairement, qui peut être professionnelle ou relationnelle. Il y a un choix à faire, hein, vous concernant. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit sur les scorpions pour le mois de novembre? Ok? Il est temps de s'isoler et de méditer, de réfléchir sur ses propres besoins, d'isoler le reste du monde, non pas par égocentrisme ou par égoïsme ici, mais plus mais pour prendre soin de vous, tout simplement, pour écouter vos vibrations intérieures, en fait. Pour augmenter votre taux vibratoire, écouter non pas les
pas être submergé par les vibrations qui émettent les autres autour de vous, mais pour pouvoir écouter vos propres... J'arrive pas. Pour écouter vos propres vibrations, excusez-moi. Décidément, allez les scorpions. Oh là. Scorpion, j'ai la clairvoyance sur vous. Il y a l'intuition qui revient. Vous êtes intuitif, hein, d'accord? Il y a la clairvoyance qui revient ici, la prise de conscience. Prise de conscience par rapport à des sentiments aussi. On parle du sentimental ici où, effectivement, il y a un recul à prendre. Si vous sentez que quelqu'un a pris du recul pour analyser ses sentiments ici, faites-le. Si vous vous posez la question, est-ce que quelqu'un a des sentiments pour vous? Est-ce que ces sentiments sont partagés? Oui. Maintenant, pour X raisons, ce que je ressens, c'est que la situation n'est pas simple et que de la même manière que cette personne peut-être prend du recul par rapport à vous, il faut que vous fassiez la même chose. C'est pareil dans le travail, ok? Pour certains, vous êtes en relation avec quelqu'un du travail, il va falloir soit changer de route, partir, parce que la situation n'est plus possible. Hein. Certains d'entre vous, vous êtes bien en couple ou vous entretenez une relation avec quelqu'un au travail. C'est pas tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Les scorpions. Scorpions pour le mois de novembre. Ouais. Il y a une prise de recul parce qu'il y a un blocage là. Il y a un blocage qu'il est difficile de... Il y a un barrage, hein, j'ai envie de dire, qu'il est difficile de passer aujourd'hui. Au lieu de forcer... On vous demande de prendre du recul et de laisser les choses se faire, se débloquer d'elles-mêmes, d'accord? C'est pareil. Pour moi, vous l'avez vu venir, ça, hein, d'accord? C'est pas, ça vous est pas tombé dessus comme ça. Vous avez quand même vu venir et vous avez été. On me dit que vous avez cette capacité à sentir les choses. Vous avez senti qu'il y a quelque chose qui clochait. Vous avez senti que dans votre relation sentimentale, il y avait beaucoup d'instabilité, que peut-être on disait pas tout, que quelqu'un n'était pas disponible à 100%, d'accord? Et malgré tout, maintenant, pour moi, vous subissez, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, vous subissez la prise de recul de quelqu'un alors que quand vous avez senti l'instabilité, c'est à vous aussi de prendre du recul. C'est comme si dans une situation, vous aviez été aveugle et que l'autre avait vu les choses clairement. Vous avez montré les choses, vous avez refusé de voir. Ben maintenant, vous n'avez pas d'autre choix que de subir. Ce que je vois derrière ici, c'est une ouverture par rapport à cette relation sentimentale, d'accord? Moi, j'ai une réunion, donc des retrouvailles. Retrouvailles, c'est pas forcément se jeter dans les bras l'un de l'autre. C'est, on crée une ouverture, il y a de la communication. Donc, j'ai des messages, voilà, des messages, des mails, des messages, des coups de fil peut-être pour certains d'entre vous qui sont envoyés, qui permettent de déglacer, débloquer une situation ici. D'accord? Et là où tout est possible, et c'est à vous de faire un choix en fait. Parce qu'on voit très bien qu'il y a un choix à faire ici. Maintenant, rien ne presse. Quand je vous dis qu'il y a un choix à faire, rien ne presse. Prenez votre temps. Il n'y a pas le feu. Rome ne s'est pas construite en un jour. D'accord? Il n'y a pas le feu ici. On voit que... pour certains d'entre vous, déjà, vous avez pas mal de choses à régler dans votre vie. En dehors de cette personne. Pour certains, vous pouvez être dans un environnement avec un entourage particulièrement hostile et fourbe. C'est ce que je sors pour certains d'entre vous. Déjà, il y a ça à régler. On vous demande de prendre de la hauteur, d'accord? De ne pas rentrer, de ne rentrer dans aucun conflit. Déjà. Allez. Ouais, il y en a trop. Et puis, c'est pas celui que je voulais prendre. C'est pas grave. J'ai cette notion de se reposer ici, de prendre du recul, de se reposer pour pouvoir regagner toutes ses énergies et monter en taux vibratoire. D'accord? Monter en taux vibratoire pour vous amener à comprendre les leçons. Qu'on tente de vous enseigner depuis un moment déjà. C'est pas celui que je voulais prendre. Allez.
Allez, les scorpions. Scorpion, il est un scorpion, s'il vous plaît. Je meurs de soif. Alors. Après une période d'instabilité, hein, d'accord? Instabilité émotionnelle, instabilité aussi dans le domaine professionnel. Moi, je vois que, alors pour certains d'entre vous, il est possible qu'on vous propose hein, une promotion. Sur le mois de novembre, il y a quelque chose qui bouge pour vous après beaucoup d'instabilité. J'ai encore cette notion de choix. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Il est fort probable hein, que en demandant ou en faisant, en travaillant pour obtenir une position supérieure là où vous êtes, ce qu'on me montre, c'est que vous ayez ouvert les yeux sur les personnes avec qui vous travaillez. Quand vous travaillez sur vous-même pour obtenir des choses, une position supérieure ou de meilleures choses, des choses qui vont vous faire avancer, on vous amène à voir ce qui se trouve sur votre route réellement. Je ne suis pas sûre que certains d'entre vous acceptent cette promotion, d'accord? Pour d'autres, effectivement, j'ai une promotion, j'ai eu un changement aussi. Là où on ne se trouvait pas à sa place, on arrive à trouver ailleurs quelque chose. D'abord, je vois des augmentations. Donc, c'est-à-dire qu'on vous propose un meilleur salaire et quelque chose où vous arrivez à trouver une certaine stabilité. Dans le domaine sentimental, hein, après une période aussi hein, de tristesse, de désarroi, on voit qu'il y a une réunion ici, hein. On se réunit et ça passe aussi par la communication. Donc clairement, j'aurai de la communication. Si vous attendez de la communication avec quelqu'un, vous aurez l'occasion de communiquer, ok? Allez. Les scorpions et uniquement les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2021. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides? Les scorpions. Ouh là, il y en a trop. Certains d'entre vous, là, ce qu'on me dit, c'est que il y a un fort sentiment de trahison. Une grande blessure de trahison sur certains d'entre vous. On a pu vous laisser. Je vois des personnes qui sont quittées ici. Hein? On vous a quitté. La difficulté à passer à autre chose. Un grand sentiment, une grande blessure d'abandon, de rejet et de trahison ici. Et ce qui vous tire vers le bas et qui vous empêche, on vous dit, hein, il faut que vous travaillez. Certains, vous êtes en train de travailler dessus, c'est une bonne chose. Ce qui vous tire vers le bas, hein, cette dépendance affective et... qui vous empêche de rencontrer la bonne personne, d'accord, qui vous plonge certainement dans certaines addictions, vous aussi, certaines mauvaises habitudes et addictions. Alors, ça peut être des addictions à la nourriture, des addictions au sexe pour certains d'entre vous. On me parle, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Une espèce d'autodestruction dont vous devez vous libérer, on me dit. D'accord? Il va falloir y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Parce que je vous sens aussi avoir la volonté de travailler sur vous, de changer les choses, mais être aussi dans l'instabilité. Il y a beaucoup d'inconstance ici. Ok, je travaille sur telle et telle chose, et puis après, le lendemain, bon, bah, je retourne dans mes vieux travers. Il va falloir vous briser cette dépendance affective que je vois chez vous, qui vraiment est beaucoup plus néfaste que ce que vous pensez. Pour ceux qui se demandent, et là, franchement, voilà, j'en suis à mes derniers signes. Après vous, il ne reste que le poisson. J'ai ça que chez vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, forcément. Prenez de la hauteur. Pour certains, vous êtes omnubilés par le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être pour passer à autre chose.
n'y a pas de rencontre là, véritable. Hein. Je ne parle pas de rencontre vite fait. Hein. Je parle de vraies rencontres, hein, d'accord? Il n'y a pas de vraies rencontres et de vraies opportunités sur vous si vous ne travaillez pas sur ce qui vous... Sur, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler ici, d'accord? Pour d'autres, et c'est pas cool, mais je vais le dire, on ne vous propose pas un nouveau statut dans votre entreprise, un nouveau poste avec un nouveau salaire et tout ce qui va avec. Parce que vous avez de mauvaises habitudes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Parce que je ne vais pas avoir le temps. Ça fait déjà 20 minutes. Vous connaissez, vous savez ce que vous faites au travail. Je vais m'arrêter là. Mais sur vos comportements, sur le lieu de travail, sur ce qui a déjà pu se passer auparavant, vous savez pourquoi on ne vous propose pas. Effectivement, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est ça. Au lieu de, je suis désolée, hein, au lieu de vous voir comme un atout, on me parle de asset et de liability. Au lieu de vous voir comme un atout, j'ai des supérieurs hiérarchiques qui vous voient comme, comment je peux vous traduire ça? Comme un fardeau. C'est dit. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il va falloir travailler sur votre caractère, sur votre comportement au travail, sur voilà. Il y a plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Pour certains qui, pour ceux qui étaient en triangulaire ici, parce que je vois bien une notion de triangulaire, il y a quelqu'un qui est en train de se libérer d'une situation ici, d'accord? Maintenant, je vois, pour autant, je ne vois pas cette personne courir pour venir vers vous si vous vous posez des questions. Effectivement, il y a des sentiments pour vous, les sentiments sont partagés, ce n'est pas le souci. Par contre, vous, pour certains d'entre vous, il va falloir lâcher sur la jalousie. Hein. Je vois une jalousie maladive ici. Il va falloir nettoyer ça. Il va falloir vraiment faire un gros travail. Et c'est pas, bon, je vais me parler pour essayer. Non, c'est un vrai travail. Avec demander de l'aide si vous, si, enfin, demander de l'aide. Demander de l'aide. Parce que c'est pas quelque chose là que vous arriverez à faire tout seul. Pour certains d'entre vous, il va falloir lâcher sur la dépendance affective, effectivement, mais surtout la jalousie maladive. D'accord? Je vois quelqu'un quitter une situation. Quitter une situation, les sentiments sont partagés, mais ça ne suffit pas pour pouvoir créer quelque chose, construire une relation. Donc, je vois plus quelqu'un quitter une situation. D'accord? Donc, ce que vous espérez, pour ceux qui sont en triangulaire, pour moi, arrive bientôt. Hein? OK? Maintenant, je vois aussi quelqu'un rester en stand-by, en train d'observer, en train de vous observer, vous. Si je quitte quelque chose pour aller dans autre chose qui est un petit peu borderline, est-ce que ça vaut le coup? Moi, c'est ce qu'on me donne comme message ici. J'ai pas quelqu'un qui a envie de se remettre en couple à tout prix, sentiment ou pas. Donc gardez bien ça en tête. Allez, les scorpions. Je sais que ce ne sont pas des messages qu'on aime entendre. Hein. Au vu de tout ce qui se poste sur YouTube, on est plus dans les violons. Bubblegum et barbe à papa pour s'endormir le soir, vous savez que c'est pas moi. Si je dis que quelqu'un revient vers vous, quelqu'un vous aime, la personne elle vous aime. Maintenant, si je dis qu'il faut aussi qu'il y a de gros blocages en vous, ben, il va falloir travailler sur ces blocages. Je peux pas inventer. Ouais. Beaucoup de méfiance et beaucoup de dépendance affective, d'accord? C'est même pas juste cette personne, c'est tout le monde en fait. On se méfie. Est-ce que cette personne va pas me refaire le même coup, etc. Vous êtes à un stade de votre vie là où vraiment personne peut venir s'installer avec vous ou rentrer dans une relation avec vous en étant serein parce que vous-même vous n'êtes pas serein. C'est ce que je sens ici. Trop de méfiance, trop de jalousie, trop de souffrance, trop de sentiments de trahison, de rejet, d'abandon, etc. Et j'ai ma victoire, là, mon 6 de bâton qui me tombe à l'envers. J'ai quelqu'un qui a l'impression que
il ou elle ne peut pas gagner ou aller vers la victoire avec vous malgré les sentiments parce que il y a quelque chose sur quoi vous ne travaillez pas. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des personnes que ça concerne. Pour certains même, vous allez fuir. C'est vous maintenant qui allez fuir par peur d'affronter vos sentiments, d'accord? Par peur de souffrir, vous allez vous mettre dans la position de celui ou celle qui rejette, d'accord? Attention, hein, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui effectivement se sépare ou s'est séparé, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui vient ou qui va se séparer ici. Hein, je vois la justice, donc soit il y avait un mariage, il n'y a pas de mariage, il y a l'administration qui passe là-dedans, il y a peut-être les enfants aussi. J'ai un énorme sentiment d'échec sur cette personne, ok? Et de l'autre, déjà, il y a ça ici. Et de l'autre côté, il y a votre dépendance affective. Okay? Je vois quelqu'un qui se trimballe encore ses casseroles et qui doit travailler sur sa nouvelle vie. Et vous qui devez travailler pour arriver à un état d'esprit beaucoup plus léger où la présence ou l'absence de quelqu'un hein, vous fait ni chaud ni froid. Alors, ni chaud ni froid, j'exagère, mais c'est exactement ça. Le 9 de Denis ici, c'est je suis tellement bien que oui, je suis open à une belle relation, mais ça va pas m'empêcher de dormir si j'ai personne. Ça va pas m'empêcher de dormir si cette personne prend du temps pour elle, etc. Tant que moi, je prends du temps pour moi et pour évoluer, pour guérir. Voilà. Et on vous demande de prendre ce temps pour vous. Là, ne soyez pas pressés. J'ai quelqu'un qui tient à vous, hein. C'est pas le souci. Alors, on voit que même s'il y a eu, pour les personnes qui étaient en triangulaire, même s'il y a eu séparation ou va y avoir séparation, il y a quand même pas mal de... Là, clairement, il y a une séparation. Là, je peux pas... Voilà. Il y a quand même pas mal de conflits, pour moi, concernant les finances. OK? Et quelqu'un aussi qui a du mal à aller de l'avant parce qu'il y a ce sentiment d'échec aussi, hein. D'accord? La difficulté à aller de l'avant. J'ai quand même quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Ça, c'est pas un souci. Mais quelqu'un qui vient de manière assez, assez maladroite. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc, sachez-vous ce que vous voulez. C'est le moment aussi de travailler sur vous-même. C'est le moment de travailler sur ce que vous souhaitez. Il n'est pas question que quelqu'un revienne vers vous et que vous dites « Ah, ouais, non, mais je ne sais pas. Ou alors que vous regardiez dans les yeux, là, et que vous vous perdiez. » Non, c'est le moment de parler, hein. C'est le moment de parler, de dire ce que vous attendez. Voilà, moi, ma vie sentimentale, je la vois comme ça. Alors, tout ne peut pas se passer, tout n'est pas réglé comme du papier à musique, hein, vous savez. Mais on a quand même des attentes. Vous ne pouvez pas rentrer dans une relation sans attente ici. Parce que j'ai quelqu'un qui vient vers vous, ouais, qui ne sait pas trop en fait, hein, qui vient présenter des excuses qui n'est pas sûr non plus de pouvoir matcher avec... votre niveau, c'est quelqu'un qui sait que vous avez déjà c'est déjà quelqu'un qui sait que vous avez beaucoup de sentiments, peut-être même trop, d'accord? Ça déborde et voilà pourquoi avant que cette personne revienne, parce qu'elle revient de toute façon, il va falloir travailler sur votre codépendance, votre dépendance affective ici, d'accord? Parce qu'à certains moments, vous pouvez, le fait d'être seul et de travailler sur vous-même, c'est quelque chose de bénéfique. Parfois, vous tournez ça en solitude mal vécue. En tout cas, pour les personnes que ça concerne, il va falloir travailler sur ça. D'accord? Pour l'instant, est-ce que cette personne est toute seule? Oui, elle est toute seule. Est-ce que dans votre histoire, il y a une troisième personne? Oui, il y a une troisième personne. Il y a le fait d'être célibataire sur le papier et d'être célibataire subtilement parlant, énergétiquement parlant. Je vois pas de célibat, entre guillemets, parce qu'il y a encore beaucoup de confusion. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Là où c'est pas réglé, il n'y a pas de place pour vous. Je ne fais pas de complaisance, hein, vous savez très bien. Et je pense que
Il n'y a pas d'adolescents hein, qui regardent ma chaîne. Donc là, vous êtes arrivés hein, avec vos expériences et votre âge. Vous savez que là où c'est pas nettoyé, il n'y a pas de place pour vous. Vous savez déjà, avant de rentrer dans n'importe quelle relation, vous savez déjà que là où c'est compliqué avec un ex ou autre, il n'y a pas de place pour vous. Donc prenez votre temps. Prenez le temps nécessaire pour travailler sur vous. D'accord? Parce que j'ai quelqu'un qui vient vers vous, ce qu'on a dit. Si j'ai quelqu'un qui vient vers vous, mais que, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Ce que je vous vois derrière, parce que cette personne, elle est comme ci, comme ça, et que vous n'avez pas fini de travailler sur votre dépendance affective, c'est encore là. Hein. Je vous vois mis de côté, encore une fois. Et vous dire, en fait, on n'est vraiment pas fait pour être ensemble, ou je lâche l'affaire, je laisse tomber. Être avec un énorme sentiment de solitude. Travaillez sur vous d'abord. Pour que quand cette personne retourne de son côté, s'isole pour travailler sur elle-même, ça vous fait ni chaud ni froid, comme je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, c'est pas ni chaud ni froid, vous m'avez compris. Ça vous empêche pas de dormir, ok? Ça vous empêche pas de fermer l'œil. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui est encore bloqué dans des histoires bizarres, dans des situations bizarres. Il faut laisser le temps au temps ici. Ça va prendre du temps cette histoire. On n'efface pas des années de vie commune juste parce que ben, on est tombé amoureux de quelqu'un. Ça marche pas comme ça, hein. D'accord? C'est pas vrai. Ouais, donc il y a de gros sentiments de trahison. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a été trompé. Voilà. Il y a les choses dont on se sépare et il y a les blessures qui restent. Ok? Et ça, malheureusement, ça prend du temps. Il faut respecter ça aussi. C'est ce qu'on me dit. Ok. Allez, il me reste 1 minute. Je reviens tout de suite. Ok, il me reste moins d'une minute. Je suis partie vous chercher l'oracle des anges de l'amour que j'utilise très peu. Donc, il est toujours dans son coin. Allez, qu'est-ce qu'on me donne là? Une carte pour les scorpions. Une seule. Merci. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord? Laissez les choses se faire. Concentrez-vous. Fermez la porte. C'est ça que je veux dire. Fermez la porte. Fermez pas la porte à double tour. Fermez la porte et allez vous concentrer sur vous-même. Laissez les choses se faire. Ça sert à rien d'essayer de foncer sur le barrage pour que les choses se passent comme vous avez envie qu'elles se passent. D'accord? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est mon dernier mot. Mes chers scorpions, prenez bien soin de vous. On se retrouve pour de nouveaux tirages, hein, tirage 100% sentimental sur, par élément à la fin de la semaine et puis sur les semaines suivantes. Et puis pour d'autres messages de votre autre, hein, d'accord? Je ne vous oublie pas là-dessus. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations pour une consultation privée en barre d'infos. À très bientôt.